Jusqu'à la fin de la saison, le maillot maintenant à 59 euros. Profites-en. Dans l'épisode précédent, Raïm et Camille ont joué face au Variété Club de France. On a réalisé une maraude avec l'assaut au cœur de la fraternité. On a joué contre la Sémantec qui nous avait battu 2-1. On a réussi à battre 7-1. Et pour continuer la série de victoires, on a battu Andrézy sur le score de 2-0. Ok, aujourd'hui c'est le match face à Mantes-la-Ville, match retour. Je sais pas le match aller, au match retour je serai là mais sans jouer parce que j'étais pas là à l'entraînement, donc j'ai pas ma place aujourd'hui. Donc ouais, j'ai envie de découvrir déjà l'équipe en face parce que du coup je connais pas et j'espère qu'on va. On était où, mon Vincent, match. Déjà pourquoi on était pas là? Nous on était en Tanzanie, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on était en Tanzanie. Comment tu sens ce petit match? Bien, franchement, on est sur une bonne série là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu ou fait match nul, donc c'est bien, on continue comme ça. Après, moi j'étais pas là au match aller, apparemment c'était un match compliqué. Et ils ont gagné ça dans la difficulté, mais c'est bien, faut continuer la série. Bref, aujourd'hui on joue Mantes-la-Ville, un match compliqué. Toujours blessé, je reviens dans 2 semaines normalement. T'as l'impression de reprendre? Très 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 pressé. Là je suis comme ça parce que j'ai envie de jouer depuis 2-3 semaines mais je peux pas. Et on m'a mis un stop carrément pour pas jouer. Le match je le sens plutôt bien. J'avoue, j'ai pas été là durant 2 semaines donc j'ai pas vu les gars s'entraîner. Mais bon, je fais confiance totalement à Max et à Romain. C'est Max qui s'est occupé de tout ce qui est compo, discours d'avant-match, etc. Et voilà, là je suis content parce qu'on joue sur un bon terrain, les conditions sont idéales pour jouer au football. Après, je les ai pas trouvés mauvais à l'aller techniquement, donc je pense qu'ils peuvent nous poser quelques problèmes. À voir maintenant comment ça va se dérouler, si les gars sont à fond dedans, se donnent au maximum, je pense qu'ils vont le faire. Et voilà. Franchement, regarde au milieu de terrain, Chichi est seul des fois, vous avez juste une petite passe en retrait à lui faire et après ça peut faire un tour avec Fabio, Nero et sur les côtés les gars, Quentin, Vincent, ils sont libres aussi. Hein. Ils ont toujours 4-5 secondes de liberté, ils ont le temps de lever la tête et tout. Jouez ça, franchement, faites-vous plaisir, faites tourner le ballon, jouez dans les petits espaces comme a dit Romain, c'est là où on est le plus fort et techniquement on est au-dessus d'eux. Franchement, mettez le troisième, on se met à l'abri, après faites-vous plaisir. Non, belle première mi-temps, on mène 2-0 à la mi-temps. Le plus dur est fait, maintenant faut consolider cette avance, marquer un troisième but parce que si on en met, on sait que ça peut aller vite. Donc voilà, l'idée c'est de marquer un troisième le plus rapidement et se mettre à l'abri. Il a tout dit, c'est ça, parce que il y a 2-0, si on se prend un but de 1, ça peut aller hyper vite, ça peut enflammer le match. Donc si on pouvait mettre le troisième, ce serait top.
I need my hands. This life is real. If they pretend, they want the bench. I get it in. I get it in. I get it in. And for my wins, I need my hands. This life is real. If they pretend, they want the bench. I get it in. I get it in. I get it in. I'm on my job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun, a 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold. Bang roll, on the go. Ice hole, ice hole, ice hole. Came for my wins, I need my ends. This life is real, if they pretend. Came off the bench, I get it in. Léger, petit. On est 28 février et aujourd'hui du coup j'ai eu rendez-vous chez le médecin et j'ai une élongation du, enfin, je bug, du droit antérieur mais à gauche. Donc je suis une élongation de ça et c'est environ 2-3, bah je pense 2 semaines c'est vraiment optimiste, 3 semaines d'indisponibilité, genre du kiné et tout, donc ouais, y a beaucoup de gens dans l'infirmerie actuellement. Et il y a Abdé aussi, il est aussi pas mal de temps qu'il est indispo, il y a Ibra, enfin. Il y a beaucoup de gens qui sont actuellement à l'infirmerie. C'est vraiment le moment un peu charnière de la saison parce que bah, il reste 8 matchs au moment où je vous parle. Et bah, là il y a beaucoup de blessés donc il va falloir faire en sorte de tenir. En gros dans 2-3 semaines il y aura énormément de gens qui vont revenir. Il y a même Titi aussi, hein, capitaine qui s'est fêlé la côte. Ok Julien, juste beaucoup de gens demandent pour faire un peu un point sur le classement. Ouais, du coup, alors on est actuellement là, on est 3ème. Non, on est 2ème. On est 2ème, pardon. J'ai du mal à dire qu'on est 2ème parce qu'on est 2ème, mais avec 3 matchs d'avance ouais. Sur le 3ème. Déjà, je trouve que par rapport à notre début de saison, on a vachement remonté. Franchement, on sent la différence au niveau du jeu et au niveau de l'impact physique. Ouais. Donc, franchement, je suis grave satisfait. Là, 2ème, je trouve que c'est top, même si on a des matchs d'avance. Ouais. Après, le truc, c'est qu'on a quand même battu tous nos adversaires direct pour l'instant. On a battu Mantes-la-Ville, on a battu assez Monté aussi avec un gros score. Et là on joue dimanche contre l'Olympique. Et là dimanche on joue Mantes Olympique qui sont quatrième. Et je crois dans pas longtemps on joue Limay, du coup les premiers. Ouais, c'est ça. Donc à nous de battre nos adversaires direct. On prend match après match, on calcule pas trop pour l'instant le classement. Enfin ouais. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Et après en fait l'objectif je me dis ce serait ouf qu'on monte. Mais si on monte pas, ce serait ouf quand même parce qu'on a réalisé quand même quelque chose de grand et ça faut pas l'oublier parce que mine de rien avec le début de saison qu'on a fait. En fait, je pense que la série de victoires a un peu banalisé au final. Ouais, le truc. Cool. Mais au début, ça nous paraissait insurmontable et maintenant qu'on arrive à gagner et tout, on dit c'est normal qu'on gagne. Mais en fait, non, on a fait un truc de ouf et on a construit une équipe qui n'existait pas du tout et on l'a menée. Et je pense au top du top et on a quand même eu que 2 ou 3 semaines avant de se préparer. On a fait le recrutement. 2 semaines avant le début du championnat et tout, c'est une nouvelle équipe, moi c'est la première fois que je suis coach. Il y a beaucoup de premières fois et je trouve que c'est pas négligeable et faut pas l'oublier tout simplement. Donc je me dis quand même pour une première année on fait des bons résultats et on dégage quelque chose de fort, donc c'est cool. À nous de continuer et à vous de continuer à nous soutenir et tout. Ouais, on sait que vous voulez la monter, on donne le maximum. C'est sûr, on va donner le maximum, on verra à la fin de la saison. Et on va essayer de développer du beau jeu un maximum parce qu'il faut gagner, mais je trouve qu'il faut gagner avec la manière aussi. Les gars, juste un petit truc. Vu que j'ai travaillé avec RhinoShield, vous avez tous une cote pour votre téléphone aux couleurs de l'équipe. Oh, donc voilà, donc je vous les mets au bord du terrain, vous les récupérez à la fin de l'entraînement. Ok. Merci. Merci à numéro 21. Ouais, merci Rino. Hello, merci. C'est vraiment trop mignon. Là aujourd'hui en fait il pleut là non-stop jusqu'à 17h de toute façon, donc jusqu'à la fin du match. Et en fait on joue sur un terrain pelouse, il y a déjà eu 2 matchs aujourd'hui dessus. Du coup on joue contre Mantes Olympique. Au début le staff voulait pas jouer mais apparemment les gens veulent jouer, donc on va jouer parce que le terrain est vraiment très 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 compliqué aujourd'hui. Mais bon voilà, faut s'adapter, donc tant que l'arbitre dit que le terrain est praticable, il faut qu'on joue, on n'a pas le choix. Donc on va voir, l'arbitre n'est toujours pas arrivé, c'est un peu bizarre, c'est la première fois que ça arrive ça. Il est quand même 14h27, le match je commence à 15h, et l'arbitre il est pas là, donc c'est assez compliqué, on va voir un petit peu. Pense quoi toi Max? Journée très compliquée, hein. Terrain compliqué, organisation compliquée, on va voir ce qu'on peut faire, mais de toute façon si on joue, on doit jouer, et on va tout donner les gars, on va tout donner. À la guerre avec Julien. Voilà, t'as vu. Alors, oh non, non, non. Attends, viens. Ok.
Donc ça c'est la zone concrètement où on va jouer dans l'axe. Oh là là. Tout est normal. Je vois même pas le fond, c'est horrible. Je suis écœuré. Aujourd'hui, c'est un match assez spécial. Je suis pas gardien, je suis attaquant, titulaire et en plus capitaine. Bienvenue au Vinsky FC les gars. Je vais essayer de marquer, en vrai. Hein. Regarde, regarde ce qu'on m'apporte. Le brassard. Voilà, on pensait tous que ça allait arriver, c'est arrivé, match annulé. Du coup en fait bah, l'arbitre il est venu voir le terrain au début du match, il s'est dit, je pense qu'il s'est dit on va essayer, on va voir ce que ça donne. Mais il avait compris qu'au bout de 5 minutes, les deux équipes bah, étaient pas trop pour jouer. L'arbitre il a vu tout de suite que ça allait pas marcher, que ça allait, ça allait donner n'importe quoi, qu'il allait y avoir des blessés ou autre. Donc voilà, match arrêté, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Et donc voilà, le match va être reporté, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, aujourd'hui, le match est fini. Fin de l'épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Allez, à très vite. N'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Comment le Vinsky FC.